Et bonjour à tous, c'est Calderman, c'est la suite du guide complet sur Elden Ring, et quel plaisir eh bien, de vous annoncer que aujourd'hui nous allons explorer la partie sud du plateau Altus. Et oui, ça faisait tellement longtemps que je vous en avais parlé eh bien, de ce plateau, c'est une zone et une région que j'adore. Eh bien, comme nous avions eh bien, beaucoup de choses à faire auparavant, notamment pour débloquer les fins, finir la quête de Rani, etc., eh bien, ce plateau Altus a attendu. Eh bien, on a le plaisir aujourd'hui de l'accueillir et de le découvrir, puisque nous allons l'explorer. En vérité, nous allons explorer le sud. Mais pour cela, évidemment, il faut atteindre le plateau Altus. Et comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, il y a deux façons eh bien, d'atteindre le plateau Altus. C'est d'additionner les deux médaillons. Des médaillons qu'on va trouver l'un à Caelid et l'autre dans la Nécrolimbe. Donc le premier, enfin tout dépend dans l'ordre que vous faites, mais dans tous les cas, celui que vous pouvez trouver, c'est au Fort Farot à Caelid. Et le deuxième, c'est dans la Nécrolimbe, ici, au Fort 8. Et une fois que vous avez ces deux médaillons, vous traversez toute la région de Lyurnia, vous vous retrouvez devant cet ascenseur, le grand ascenseur de Dectus, et vous activez les deux médaillons pour monter dans l'ascenseur. Si vous n'avez pas ces médaillons, il était possible de rejoindre le plateau Altus avec eh bien, la ruine qu'on avait évidemment aussi montrée en vidéo. Donc normalement, vous êtes arrivé ici. En termes de statistiques, eh bien, vous voyez que j'ai augmenté ma vigueur à 45 et ma foi à 50 puisque je vais utiliser pas mal de miracles. Donc déjà, je vais utiliser la foi ailée qui fait des dégâts de saignement, je vais utiliser un saut pour utiliser les miracles, un saut que j'ai augmenté en plus 13 pour augmenter les dégâts liés aux miracles. J'utilise l'armure de Nocrien, et j'utilise évidemment des talismans qui me permettent d'augmenter les incantations, les attaques sautées et les attaques combinées, enfin les attaques successives, voilà. Donc c'est le build que je vous propose dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, il est important de débloquer les cartes. Sachez que la première carte, que je l'avais déjà débloquée quand j'avais fait la quête de Sylvivis, donc elle se situe un peu plus au nord, hein, c'est pas très loin. Mais la deuxième est un peu plus compliquée à trouver et qui va nous permettre vraiment de pouvoir explorer eh bien, le plateau Altus de manière beaucoup plus facile, puisque pour accéder à cette carte, on va devoir aller au manoir du volcan. Et pour cela, il faut faire la quête de notre chère Rhea. Alors, je vous montre rapidement sur la carte, puisque Rhea, on l'avait déjà croisée à Lyurnia. Donc, si c'est pas fait, je vous invite à le faire. On la trouve dans les ruines. Une fois qu'on la trouve dans les ruines, elle va nous dire, bah, écoutez, il me faut quelque chose. Et cet objet, c'est un espèce de malfrat qui mange des crevettes qu'il possède. Donc allez voir le malfrat, vous lui achetez, eh bien alors je ne me rappelle plus c'est quoi l'item, mais ça coûte 1000 runes, et une fois que vous l'avez acheté, vous retournez voir Rhea, et elle vous donne en fait une invitation au manoir du volcan. Donc, une fois que la quête est faite, vous la retrouvez ici, et avec justement l'invitation au manoir qu'elle vous a donné, alors je ne me rappelle plus où ça se trouve, mais en tout cas ça doit être un item clé ou quelque chose comme ça. Une fois que vous allez eh bien, lui parler, elle va vous envoyer au manoir du volcan et on va pouvoir débloquer la carte pour bien voir le sud eh bien, du plateau Altus. Allez, on lui parle. I've been waiting for you. I knew you had the stuff of champions. I hereby invite you to the Volcano Manor. Take my hand and have audience with my mistress. Give me your hand. I will pray that you follow the same path as Lady Tanith. Le manoir du volcan, et oui, il est tout à fait possible dès maintenant, eh bien, de faire le manoir du volcan et une nouvelle fois de laisser de côté le plateau Altus. Bon, allez, je vous ai promis qu'on allait faire le plateau Altus et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'attendent. Donc le manoir du volcan, on le fera un peu plus tard, notamment parce que regardez sur la carte, eh bien on se situe vraiment à l'ouest. Mais pour débloquer eh bien, la carte, on va aller juste ici. Et comme ça, ça nous permet d'avoir vraiment une vision plus globale sur le sud d'Altus parce qu'il y a pas mal de choses à faire au sud-ouest, notamment vers ici. Et comme on la voit pas, parce qu'on n'a pas la carte, c'est un peu plus compliqué eh bien, de vous montrer où sont les grottes et où sont les objets. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller là. Donc en vérité, je ne vais pas du tout m'occuper du manoir pour le moment, puisqu'on a un mont à traverser, etc. Je préfère faire les choses dans l'ordre. Donc nous, on va juste aller très rapidement en direction eh bien, de la carte qui se situe un petit peu plus loin. Voilà. Le mont Gelmir, on ira le faire dans une autre vidéo, après avoir traversé tout le plateau Altus. Je me demande si
La putréfaction marche, j'imagine que oui. Ouais, ça marche. Hein. Et vous voyez, les ennemis quand même ont pas mal de, de vie. Hein. Ça rigole pas. Allez, je vais pas m'amuser à les tuer. Je vais chercher la carte qui se situe en dessous, mais attention, il y a un... Il y a un saut qui est mortel, donc on va juste devoir faire le tour, vous voyez. C'est une région qui est assez particulière. On sent vraiment presque volcanique, avec les arbres comme ça qui tiennent debout, avec les branches qui tombent. Elles tombent comme si elles étaient tout simplement brûlées, calcinées, un monde brûlé. Ça me donne un peu ce sentiment-là. Mais on aura l'occasion de parler de ce mont, de cette région volcanique. Hop. Je sais pas si je ramasse les items. Bon, je vais peut-être les ramasser. Mais en vrai, dans tous les cas, je sais qu'on y reviendra à un moment. Et moi, je vais juste ouvrir la carte. Ramasser la carte, l'ouvrir. Et partir. Ah, il m'a attrapé. Ah oui, quel plaisir de retrouver ses mains. Je pense que vous les avez adorées. Elles vous ont manqué quand on était dans le manoir. Notamment de Caria. Eh bien, on va les retrouver. Et on sait de toute façon, on connaît leur point faible, c'est le feu. Et dès qu'on les brûle un tout petit peu, elles se mettent sur le dos et on peut les taper. Voilà, je vais essayer de trouver un moyen. Parfait. Impeccable. Comme ça, je vais pouvoir me téléporter. Et vous voyez, eh bien maintenant, on a une belle vision sur vraiment le plateau Altus et tout le sud. Et comme ça, on va pouvoir le faire sans aucun problème. Ah, et bien voilà, pour cette introduction, c'est parti maintenant. Pour l'exploration, donc c'est une route que j'ai travaillée. Je vais vous proposer d'abord, eh bien, comme je disais, d'aller voir ce camp, eh bien, militaire. On va récupérer deux items. On va récupérer ensuite, eh bien, ici, auprès d'une petite boule, une nouvelle cendre de guerre. Et ensuite, on partira vraiment dans le sud-ouest et on reviendra tout simplement là où on avait débloqué déjà un site de grâce, bien, lorsqu'on avait traversé la ruine. Et on va faire vraiment toute cette région et ensuite on va remonter un petit peu sur le nord pour faire quelques ruines et une nouvelle fois. Une mine, et ensuite on partira vraiment cette fois-ci sur l'est et on va remonter bien vers le château, le royaume, un royaume que nous ne connaissons pas, et évidemment je garde la surprise puisqu'on le fera bien plus tard. En tout cas, il faut savoir une chose, c'est que ce royaume est un petit peu en hauteur, là nous sommes vraiment dans des plaines, dans un plateau, puisque ça s'appelle plateau, donc autant l'appeler par son nom, et qui va nous observer comme ça, un petit peu comme c'était le cas avec eh bien, le château dans la Nécrolimbe. Qui était, eh bien, Voilorage et Valorage. Allez, un nouveau talisman, puisque là on nous parle des chevaliers de Leyndell. Probable du coup que le château s'appelle Leyndell aussi. Bon, bref. Voilà. J'essaye d'éviter de vous donner trop d'informations et d'éviter de donner trop de noms pour ne pas trop se perdre. Mais que voulez-vous, si les talismans spoilent, hein, on n'y peut rien. Allez, on va récupérer le talisman, on récupère l'épée dorée de troll. Et nous, on va aller rapidement se débarrasser eh bien de cette petite boule avec une cendre de guerre. Et j'adore, hein. Vraiment, la transition est incroyable entre le mont Gelmir et justement le plateau Altus. Je trouve ça vraiment incroyable et le thème de l'automne est vraiment respecté. Surtout que nous avons et nous allons être suivis par... Eh bien, alors je sais pas si c'est un violoncelle, une contrebasse, ou je pourrais pas exactement vous dire, mais en tout cas, un son qui est relativement aigre-douce, pourquoi pas. En tout cas, un son qui est relativement gras, profond, aussi profond qu'une mélancolie qui nous atteint, et pourquoi pas à l'automne. Et cette région, évidemment, me touche beaucoup, et je suis très content d'être ici. En tout cas, ça fait plaisir aussi de retrouver la nature, hein. Puisque rappelez-vous, on était dans Nokron, on avait fait Kaelid et tout ça, et là on retrouve en vrai un plateau qui est baigné par, eh bien, sa nature. Allez, je vais vous montrer l'épée du troll, qui est juste ici. Bien que les trolls aient perdu la raison, ils demeurent indissociables de leur épée usée recouverte d'or écaillé. Vous regardez au loin et poussez un cri assourdissant qui génère une puissante onde de choc repoussant les ennemis proches. Pourquoi pas, ça peut être relativement utile. Qui combattaient, voilà, on apprend que les trolls qui combattaient évidemment pour l'arbre monde, donc c'est plutôt logique qu'on les retrouve proche justement de ces arbres. On a récupéré aussi une cendre de guerre, c'est une cendre de guerre liée au saignement. Voilà, elle est ici. Lame de sang. Vous vous blessez pour enduire votre arme de sang avant de projeter une lame de sang qui accumule du saignement. Vous pouvez lancer rapidement plusieurs lames de sang
d'affilée. C'est utilisable sur les dagues, les lames doubles, ainsi que sur toutes les épées et tailles moyennes. Donc pourquoi pas, si vous jouez cet aliment, ça peut être intéressant de l'utiliser. Dans tous les cas, on retrouve cette belle Millicente. Ah, we meet again. In truth, it's been smooth sailing for me. The Scarlet Rot has stilled since last we met. As such, I've been able to continue my journey. Though rather vexingly, I realized that if I still had my sword arm, I could have aided you in battle. Now I'm tracing the path Melania took after unleashing the power of the Scarlet Rot during her battle with General Radahn in the Caelid Wilds. I should like to meet her. This vanished woman. I think she's in the north, in the lands that lie beyond the Erdtree. Et ce dialogue est intéressant puisque c'est la première fois qu'une personne nous parle des terres au-delà de l'arbre monde. Donc évidemment, ça laisse sous-entendre eh bien, que derrière le château de Lindale, là où évidemment ses yeux se reposent et regardent, eh bien, elle regarde ces fameuses terres du nord. Donc pourquoi pas? Elle nous parle aussi d'une certaine Malenia. Bon, ça doit parler quand même à beaucoup de joueurs. On aura l'occasion évidemment d'en savoir plus sur elle et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Allez, quoi qu'il arrive, on a fait le camp, hop, nous direction les ruines, eh bien, de Lux qui se situent juste en hauteur. Donc, si j'ai pas de bêtises, je crois pas qu'on puisse y accéder depuis ce flanc. On est obligé de revenir, eh bien, au site de grâce un peu plus tôt et de remonter depuis une route un petit peu plus classique. Et là, je me rends compte que je suis déjà à plus de 10 minutes de vidéo alors que je n'ai toujours pas affronté un seul mob, mais c'est vrai que pour le plateau Altus, il y avait quand même quelques préparatifs, quelques PNJ à qui parler pour ensuite, eh bien, se, on va dire, mettre de côté les quêtes et s'intéresser à cette exploration. Donc oui, c'était sans doute un petit peu long, mais bon, il fallait bien le faire. Alors, il faut savoir que dans les ruines de Lux, il y a quelque chose, moi, qui m'a un petit peu, pas énervé, ça serait exagéré, mais en tout cas, qui était un petit peu compliqué, c'était de trouver et de réussir à récupérer, eh bien, une cendre de guerre. Ah oui, je suis à une main. Je me disais, je comprenais pas pourquoi je faisais peu de dégâts. Enfin, peu de dégâts. J'en fais, mais pas autant que d'habitude. Parce qu'en fait, on doit taper, eh bien, une petite boule. Mais cette petite boule, dès que vous arrivez, elle va disparaître. Et le problème, c'est que je ne sais pas où elle disparaît. Je ne sais pas où trouver sa deuxième position. Donc, ce que j'ai tendance à faire pour réussir à tout prix à la tuer, parce qu'elle se trouve, voilà, on l'entend, elle est juste à côté ici. J'aime bien en fait la surprendre et passer par derrière, puisque vous voyez, elle est juste là. Donc évidemment, je peux pas la toucher depuis le mur, je pense pas. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir à pied et je vais carrément lui sauter dessus pour la tuer en 2 secondes parce qu'elle disparaît à une vitesse folle. Vraiment pas évidente à avoir. Alors attention, parce qu'il y a aussi des ennemis. Voilà, je me débarrasse des ennemis parce que là, la boule m'a toujours pas vu. Et j'y vais, hop, parfait, je l'ai eu. Ok, ça va. Fracas de bouclier. Donc pour ceux qui jouent bouclier, vous pouvez utiliser cette cendre de guerre. Je suis content de l'avoir parce que je peux vous dire que j'avais peur de recommencer la vidéo 10 fois avant de l'avoir. Quoi qu'il arrive, je ne m'amuse pas à tuer tous les ennemis qui sont au-dessus puisqu'on arrive devant la reine semi-humaine. Et évidemment, les dégâts sont colossaux hein, avec mes armes. Notamment avec eh bien, la compétence d'action qui s'appelle Aile Angélique. Et en 3 coups... En 3 L2, il meurt, comme promis, hein, je vous l'avais dit. Il faut savoir que le plateau Altus et Caelid, en termes de difficulté, c'est un petit peu la même chose. Je pense que le plateau Altus, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais sinon, c'est pas, c'est quasiment pareil. Donc forcément, nous sommes préparés pour affronter ce plateau. Allez, on récupère un talisman qui peut être utile, puisque lorsque vous êtes... hop, il est là. Full vie, eh bien, vous, votre attaque, votre puissance d'attaque est augmentée quand vos PV voilà, sont au maximum. Cette pratique avait disparu sous le règne du roi consort Radagon. Mais à ce jour, on peut encore trouver de par le monde des ruines, des arènes où avaient lieu ces affrontements. Et oui, c'est marrant qu'on parle d'arènes, puisque rappelez-vous, quand on était notamment dans la Nécrolimbe, eh bien, on avait déjà vu ces arènes, ces colisées, mais on ne pouvait pas rentrer dedans. Je pense que c'est peut-être lié au PVP, vu que je ne me suis pas intéressé encore au multijoueur. Dans tous les cas, eh bien,
Voilà, moi c'est un talisman que je vais utiliser parce que je vais être souvent full vie. Voilà, c'est pour ça que je me suis pas amusé à tuer tous ces singes avant de tuer la reine. Puisque je savais qu'après ils allaient être inoffensifs. Parce que sans leur reine, ils sont perdus. Voilà, moi je vais essayer de redescendre au site de grâce. Ok, j'aurais pas dû ressauter une deuxième fois. Bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, je vais juste me téléporter rapidement au site de grâce. Et tant pis pour mes âmes, enfin mes âmes, mes runes. Je crois que j'en avais peut-être 30 000, très honnêtement, c'est pas très très grave. Dans tous les cas, maintenant, eh bien, nous allons descendre à l'endroit où il y avait, eh bien, le site de grâce que nous avions débloqué. Mais sur la route, malheureusement pour nous, nous avons croisé un certain dragon. Et pas n'importe lequel, un dragon qui est vraiment magnifique, qui va faire de la foudre rouge. Vraiment, il est incroyable. Et en gros, vous voyez, vous avez cette petite plante de foudre comme ça qui apparaît, la fleur d'Altus. Et quand vous vous retournez et vous avancez encore un petit peu, on aura le plaisir d'accueillir... Lanceax, le dragon ancien. Donc évidemment, moi je vais utiliser le souffle putréfié. Et une fois que c'est fait, je vais simplement reculer et attendre un petit peu que sa vie baisse. Puisqu'il est impossible de le tuer maintenant. Lorsque sa vie aura baissé, voilà, il va s'envoler. Lanceax, le dragon, il est vraiment magnifique. Et son apparition est quand même assez incroyable. Et il est fort probable que... on se fasse surprendre. Tout simplement parce que, bien, il arrive dans notre dos, il peut crier, et à ce moment-là, on se retourne et on voit quoi? Un dragon derrière nous. C'est vrai que la mise en scène est vraiment très bien faite ici. Robe de suzerain. Robe somptueuse portée par la noblesse d'une nation mineure, dotée d'un élégant manteau bleu, proclamant le statut de son porteur. Il me semblait que il y avait autre chose avec... Voilà, on avait récupéré ce masque de suzerain, voilà. Les masques de ce genre illustrent les qualités d'un suzerain idéal, à savoir la sagesse et d'une cordialité désarmante. Pourquoi pas? Bon, apparemment, ça augmente un petit peu la foi. Bon, de 1 point, c'est pas incroyable, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Et je vais du coup les équiper pour m'adapter eh bien à la région. Voilà, on rencontre des nouveaux ennemis. Eux, ils ont tendance à faire relativement mal et à taper assez vite. Vous voyez, ils ont un combo ravageur. En revanche, évidemment, si vous avez de quoi les attaquer à distance, ils sont sensibles au saignement puisqu'ils sont faits de chair. Donc, assez facile à tuer, évidemment, à distance avec des saignements. Donc, c'est des ennemis qu'on va retrouver assez souvent, mais qui ne devraient pas trop poser de problème. Dans tous les cas, eh bien, regardez ce qui se passe. Nous sommes devant le site des grâces qu'on avait déjà débloqué. Voilà. Puisque nous l'avons débloqué depuis les ruines. Alors, l'objectif maintenant, eh bien, ça va être, comme je vous le disais, d'aller... au sud-ouest et d'aller faire les différentes missions que le jeu va nous proposer. Allez, j'en ai profité pour faire une sauvegarde, comme ça au moins ça c'est dans la boîte et la première partie on n'y touchera plus. La deuxième, eh bien, il faut savoir que, rappelez-vous en début de vidéo, on est allé au volcan du manoir grâce, eh bien, à Rhea, grâce à ce personnage. Eh bien, il est tout à fait possible d'atteindre le manoir en traversant justement le plateau Altus par son sud-ouest et faire le tour totalement du mont Gelmir comme ça et d'arriver au manoir. Donc évidemment, il y avait deux possibilités d'y aller. Moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on fasse eh bien, toute, on va dire, la frontière entre Gelmir et le plateau Altus, en restant évidemment dans le plateau Altus, en récupérant eh bien, des cendres de guerre, en récupérant des nouvelles armures et en faisant les mines. On va juste activer en fait le site de grâce du mont Gelmir pour y aller ensuite, mais on ira évidemment pas plus loin. On s'arrêtera au mont Altus. Allez, on récupère l'ordre sacré, qui permet une nouvelle fois, on le sait c'est très efficace contre les Nomors, et bien d'infuser notre arme. Avec des dégâts sacrés, donc ça peut être cool. De toute façon c'est une zone qui est essentiellement tournée vers la foi, et c'est évidemment pour ça que moi j'ai décidé d'avoir un build avec une arme qui fait des dégâts sacrés, et un build de foi, comme ça on utilisera des miracles. Allez, ici on va rencontrer des fleurs. Et des nouveaux PNJ, donc, enfin des nouveaux PNJ, des nouveaux ennemis humanoïdes, donc forcément on leur fait très mal. Et on retrouve le copain, regardez, rappelez-vous, on l'avait déjà confronté, enfin affronté celui-là. Bon, la seule différence c'est que maintenant nous sommes beaucoup plus forts.
la tenue des réprouvés. C'est une tenue que je vais équiper parce que je la trouve relativement jolie. Je vais la mettre. On récupère aussi un flocon de parfum. Donc ça, c'est bien pour... si vous souhaitez créer des parfums. Il faut savoir qu'il y a un des parfums qui est utilisable parce que je l'ai utilisé en coopération avec des amis la dernière fois. Notamment un flocon qui me permet, quand je l'envoie sur mes alliés, d'augmenter leur défense, leur attaque physique et de leur créer un bouclier comme la potion miracle. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, je vais vous montrer le manuel qu'on a récupéré. Et il permet justement de fabriquer des arômes étincelantes et des arômes galvanisantes. C'est ce que je disais un peu plus tôt. Et grâce à ça, on va pouvoir aider nos copains si vous jouez en coopération. L'épée de tablier est un hommage à Rollo, père spirituel des tueurs, des réprouvés et parfums d'antan. Donc là, vraiment, on comprend bien que nous sommes dans une zone qui est liée au parfum pour créer des buffs et des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool de mettre en fait, je dirais, une direction, un lieu sur tout ce qui est lié au parfum. Puisque bon, on a récupéré quand même pas mal de flocons depuis le début. Voilà, il faut savoir que dans la région, il y a une mine, mais je pense qu'elle est plus au nord, si j'ai pas de bêtises. Parce que là, en fait, on a toute la falaise. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre le temps de bien tout explorer. Nous avons une statue ici qui nous donne une direction. Et vous avez du coup la mine qui est juste là. Alors, il faut savoir que des clés lames de pierre, on va en avoir besoin quasiment de 5 ou 6. Donc si vous avez suivi mon exploration, normalement vous avez quand même beaucoup de clés de lames de pierre. Mais si vous en avez pas, n'hésitez pas à aller voir les différents PNJ et surtout marchands du jeu, puisqu'à chaque fois il vous en vend 2 ou 3. Donc n'hésitez pas à regarder sur votre carte, de toute façon les PNJ sont indiqués. Enfin les marchands et PNJ sont indiqués, donc c'est parfait. Une catacombe. Enfin même les catacombes. Est-ce que ces catacombes-là, vous avez manqué? C'est ça la question. Je suis pas sûr en fait que beaucoup de joueurs fassent vraiment toutes les catacombes et sont intéressés par les faire. J'ai entendu quand même beaucoup de joueurs disent qu'au bout d'un moment, juste ils étaient lassés par ces catacombes et ils avaient juste envie d'avancer dans le jeu. C'est quelque chose que je pourrais comprendre. Moi, je prends quand même relativement du plaisir à le faire, notamment parce que mon approche dans Elden Ring est un petit peu celle que j'ai dans tous les Souls, c'est-à-dire que j'ai envie de le faire tout manger, de tout découvrir et de tout utiliser et tout ça. Donc vraiment il y a un côté un peu boulimique curieux qui me donne envie de vraiment faire toutes les catacombes, mais je comprendrais que pour certains ça soit un peu redondant et pas très passionnant. Mais bon, vous savez, lapin du gars, l'envie de tout posséder, c'est quelque chose qui me parle. En tout cas, on retrouve ces ennemis qu'on avait déjà croisés dans la péninsule de Larmoyante. Donc normalement vous les connaissez et c'est, je pense, à peu près les mêmes. La seule différence c'est qu'évidemment vous êtes normalement beaucoup plus puissant. Et bon, voilà, en deux coups, on n'en parle plus. Et même je pense qu'avec une attaque sautée, je les tue. En tout cas ça va être l'occasion pour moi, dans les catacombes, de faire le plein de muguets, même si bon, j'en ai tellement. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me disent « t'as loupé un muguet à tel endroit, à tel endroit ». Je vous avoue, c'est vraiment pas très grave. Déjà dans un premier temps parce que je sais qu'on va récupérer une nouvelle fois des perles qui vont nous permettre d'acheter des muguets à l'infini auprès des servantes. Et c'est la même chose en fait pour les différentes pierres de forge. C'est pour ça que, bon, je fais pas un détour qui prend 3 minutes pour aller chercher un muguet ou une pierre. Bon, j'exagère en disant 3 minutes, hein. Mais c'est vrai que, voilà. Là dans les catacombes, c'est vrai que j'ai tendance à les ramasser. Mais s'il y en a 2-3 dans le monde ouvert que j'oublie, c'est vraiment pas très grave. Allez, dans tous les cas, je continue la route. Là, on est arrivé en fait tout en bas. Nous, on va remonter un petit peu puisque, comme d'habitude, il y a une petite énigme. Alors, j'ai trouvé les énigmes plutôt sympas dans Elden Ring, même si, bon, on est quand même très loin d'un Breath of the Wild. Après, le gameplay dans Elden Ring ne permet pas de faire exactement comme dans Breath of the Wild. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé des variantes à ce niveau-là. Parce que l'idée de l'ascenseur, aller en dessous et tout ça, bon, ok. J'ai trouvé, par exemple, les donjons de Bloodborne, peut-être un peu plus inspirés en termes d'énigmes que ceux d'Elden Ring, qui ont tendance à se répéter souvent, mais bon, évidemment c'est qu'un avis. L'idée de toute façon reste la même, c'est de trouver une
un interrupteur à activer pour ouvrir la porte. Oh, je lui fais tellement mal. C'est impressionnant. Vous avez vu, en fait, vu qu'il n'a pas d'armure, il n'est fait vraiment que de chair, on l'étourdit assez facilement. C'est pour ça qu'une nouvelle fois, je pense, une arme lourde peut vraiment... très sympa. Allez, on a récupéré un esprit, on a récupéré aussi une nouvelle tête pour communiquer avec des joueurs. Et nous arrivons tranquillement, mais sûrement, à la fin. Alors ici, comme d'habitude, je vous le répète, mais quand je suis dans des catacombes et qu'il y a deux ennemis, j'ai tendance à utiliser mes esprits. Il n'y a pas grand-chose à voir en termes de pattern, puisque ce sont des ennemis que on a déjà croisés. Hein. La chimère et la parfumeuse, ce sont des ennemis classiques. Donc afin de me faciliter la tâche et d'être un peu plus rapide, eh bien je les tue. Et vous voyez, en fait, la parfumeuse, elle a envoyé un parfum sur eh bien, la chimère, et la chimère avait un bouclier. Et en plus de ça, elle avait une augmentation de ses dégâts et une augmentation de ses résistances. C'est pour ça que je lui ai fait très peu de dégâts au début. Donc les parfums, ce n'est vraiment pas à sous-estimer. Et je pense très honnêtement que moi, avant un combat important, bah, je me vois bien l'utiliser. La parfumeuse Tricia. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire les catacombes, puisque ça permet vraiment d'en savoir plus sur les parfumeuses. Voilà. C'est une cendre qui est là. Autrefois une guérisseuse réputée, Tricia se dévouait aux soins des chimères réprouvées et autres malheureux considérés impurs. Lorsque ses efforts se révélaient impuissants, elle demeurait à leur côté jusqu'à la fin, veillant à ce qu'ils s'éteignent en paix, affranchis de toute souffrance. Et voilà, ça rappelle évidemment les compagnes mortuaires. Moi, ça me fait penser aussi eh bien, aux servantes, celles qui sont présentes depuis des sites de grâce, et sites de grâce qui nous permettent de nous reposer, de faire passer le temps... etc. Donc peut-être qu'il y a un lien justement avec eh bien, ces parfumeuses, les compagnes mortuaires et les servantes. Et on se rend compte au final qu'avec ces trois entités, enfin en tout cas ces trois personnes, ou ces trois noms que j'ai donnés, eh bien, dans un monde qui est plongé dans la mélancolie, la souffrance, des demi-dieux qui meurent, qui sont tombés dans une forme de malédiction, eh bien on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont quand même plutôt bienveillantes. Alors, est-ce qu'elles sont bienveillantes par intérêt, parce qu'elles ont un but commun d'aider quelqu'un pour avoir quelque chose en retour? On ne sait pas trop. Mais dans tous les cas, on voit que les parfumeuses, au moins, elles, eh bien, elles nous aident comme eh bien, nos servantes. Voilà, c'était pour faire un petit point. Quoi qu'il arrive, je crois que je ne vais pas pouvoir récupérer mes ruines depuis les ruines de luxe. Tant pis, bah, j'irai les chercher dans une autre vidéo. Enfin, dans une autre vidéo. Après cette vidéo en off, comme on dit. Dans tous les cas, nous, notre objectif... Ouais, non, je peux pas monter. Ça va être, eh bien, d'aller un peu plus au nord, vers Millicent, puisque Millicent était là. On va explorer, eh bien, la région ouest qui va nous amener, comme je le disais un petit peu plus tôt, cette région va nous amener vers le mont Gelmir. On va activer le site de grâce qui est au fond. Et ensuite, eh bien, on explorera, eh bien, cette région. Alors, il faut savoir que j'ai laissé de côté... une mine et j'ai laissé un combat, eh bien, un envahisseur qui apparaît, bah, qui nous envahit, incroyable, de côté, puisque l'envahisseur est lié à une quête du manoir du volcan, donc on fera ça évidemment après, comme ça on ne mélange pas tout. Dans tous les cas, la mine, évidemment, elle, on va pouvoir la faire. Allez, on retrouve notre ami sur son bateau, cette fois-ci, oui, oui, oh bah, ses esprits, lui, c'est les squelettes d'un dragon. Plutôt tranquille, j'ai envie de dire, plutôt sympa. Mais bon, c'est plutôt facile à tuer maintenant les nochers, vu que j'ai une arme quand même qui est en plus 9, ça devrait le faire. Surtout en utilisant, eh bien, mes attaques successives, en utilisant la compétence de mon arme, l'aile angélique, ou les attaques R2, boum, pour l'étourdir. Et vous le savez, à chaque fois qu'on tue un nocher, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on va récupérer sur lui... Rappelez-vous, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, une morte fleur. Et la morte fleur, évidemment, ça permet de faire la quête d'un personnage qui se trouve à Kaelid, au nord de Kaelid. Et rappelez-vous, Kaelid, enfin le nord du moins, on ne l'a toujours pas fait, on le fera lorsqu'on fera la quête de Selene. Dans quelques vidéos, dans pas trop longtemps maintenant. Donc c'est plutôt cool. Tout se passe bien en tout cas dans le guide, ne vous inquiétez pas. Je suis plutôt content de voir que ma route tient le fil et que toutes les quêtes se font sans aucun problème. Voilà, et on arrive
dans ce mont Gelmir. Alors, je dis mont Gelmir, j'espère que c'est ça, puisque dans ma tête, c'est ancré maintenant. Donc, j'espère ne pas me tromper. N'hésitez pas, évidemment, si je me trompe sur une prononciation. Moi, je dis mont Gelmir, est-ce qu'il faut le dire autrement? Je sais pas. Je suis évidemment à l'écoute de vos commentaires. Dans tous les cas, une fois que c'est fait, eh bien, comme je le disais, le mont Gelmir, ça sera pour une prochaine fois. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mine. Et il faut savoir que la première fois, quand je suis arrivé dans cette zone, je savais qu'il y avait une mine ici, mais j'ai mis du temps à la trouver. Et en fait, elle se situe, eh bien, depuis, évidemment, le plateau Altus, mais depuis le sud, et depuis ce lac, enfin, si on peut vraiment appeler ça, en tout cas, un lac, un étang ou quelque chose comme ça. Et quand on va tout simplement avancer et limite s'écraser comme ça contre ces montagnes pour arriver eh bien, dans une mine qui est assez incroyable, puisque c'est la mine, attention, préparez-vous, c'est la mine où il y a le plus de coffres à récupérer du jeu. C'est assez incroyable le nombre de coffres qu'il y a. J'ai pas trop compris pourquoi ils avaient mis autant de coffres, surtout que la plupart du temps c'est pas non plus des items qui sont capitaux, ils diront que c'est pas des armes légendaires ou quoi, mais dans tous les cas, eh bien, il y a plein de coffres qui sont cachés derrière des murs illusoires. Donc ces murs illusoires sont pas trop durs à trouver, mais il faut quand même connaître leur emplacement. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir affronter, enfin je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais un ennemi qui peut poser des problèmes. Il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai rencontré ce type d'ennemi, je vous garde la surprise pour plus tard, imaginez. Et à chaque fois, je pense qu'utiliser un esprit semble vraiment la bonne idée, notamment celui-ci, puisqu'il peut être relativement frustrant. Donc je vous invite vraiment à essayer d'utiliser un esprit pour rendre, eh bien, je sais pas, ce combat un petit peu moins pénible. Surtout qu'on va les rencontrer aussi plus tard. Ce sont des ennemis qui possèdent une certaine marque sombre, si vous voyez ce que je veux dire. Allez. Dans tous les cas, nous, on va pas descendre depuis cette falaise, puisque, eh bien, les murs illusoires, il va y en avoir un petit peu de partout. Je vous invite à ramasser la mousse aussi, ça peut être utile. Hop, pour créer des boulettes. Mais ce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, eh bien, ouvrir des coffres. Beaucoup de coffres. Voilà. Des boulettes. Pour dupliquer les centres de guerre, ça c'est pas mal. Dans tous les cas, sachez que les ennemis ici ne sont pas trop compliqués. Surtout si vous avez une arme comme ça en plus 9. Il suffit, voilà, d'un coup pour les tuer. Alors il faut savoir que pendant longtemps dans les Souls, je pensais que les lances de foudre, tout ce qui était lié à la foudre, faisaient des dégâts qui étaient sacrés. Et bien la preuve que non, puisque regardez, j'ai beau les tuer avec ma lance de foudre, et bien les squelettes se ressuscitent. Donc il faut bien comprendre que pour qu'ils ne se ressuscitent pas, il faut vraiment les tuer avec des dégâts sacrés, et la lance de foudre ne marche pas. Voilà. Même si les dégâts sacrés et la lance de foudre scale avec la foi, ça n'empêche que vous ne pouvez pas les empêcher le fait qu'ils se ressuscitent. Je vais y arriver. Allez, pattes de volaille, ça c'est cool, je vais les utiliser contre les boss. On récupère une capuche noire, on récupère le bouclier et on récupère les papillons naissants. Allez, je vais juste vous montrer rapidement le bouclier. Il n'a pas de résistance à 100% aux dégâts physiques. Considéré comme le symbole d'un intolérable et prophétique péché capital, cet emblème d'arbre représenté sous la forme d'un candélabre était strictement prohibé. Pff, dur à lire. Je dois me concentrer à chaque fois. Je pense que ça se ressent. Vu que mon écran est un petit peu loin, je dois pencher la tête et tout. Enfin bref, vous me verrez, si j'avais une webcam, vous me verrez pencher la tête et j'ai l'air d'un peu d'un idiot. Mais bon, ce qui compte, c'est que vous compreniez. Eh bien, est-ce que je dis? Allez, on va se débarrasser des squelettes. Évidemment. Il y en a un que j'avais pas vu. Lui, il est un peu plus costaud que les autres, hein, vous avez vu. Il possède notamment une magnifique hache. Et il fait relativement mal. Heureusement, nous, on fait plus mal que lui. En trois coups, c'est réglé. Boum. Ouvre la porte, s'il te plaît. Je sais pas si c'est mon attaque qui a ouvert le chemin ou si c'est lui, je sais pas. En tout cas, c'était rigolo. Et évidemment, s'ils ont mis un ennemi devant le mur illusoire, on sait pas pour rien. C'est pour nous donner un indice. Allez, on continue à ouvrir les coffres. Une nouvelle arme, serre de rapace. Rappelez-vous, hein, les rapaces, on les connaît. Des ennemis qui n'apparaissent que de nuit.
très sensibles aux dégâts sacrés. En plus d'exceller dans les attaques aériennes, leurs attaques chargées reproduisent les descentes en piqué visent des oiseaux de proie. Et ça permet d'avoir la compétence pas vif. Ça peut être sympa. Mais c'est surtout évidemment jouer en ambidextrie, ça fait 60, ça cumule 60 de dégâts de saignement. Donc c'est là où c'est intéressant. Faites attention de ne pas tomber. Hop. Et on va continuer notre aventure tranquillement mais sûrement. Avec des murs illusoires un peu de partout et des coffres. Plume noire de rapace. Donc on avait récupéré le casque noir, on avait récupéré eh bien l'arme. Et maintenant, eh bien nous avons la tenue qui est vraiment très belle et je vais m'empresser de l'équiper. Ça me fait penser évidemment à Eileen le Corbeau. Un objet rituel permettant de prendre l'apparence d'un rapace funeste. Renforce les attaques, sautez. Quelle bonne nouvelle! Si vraiment vous utilisez une arme lourde, vraiment vous équipez le talisman, renforcez les attaques sautées, plus, eh bien, cette plume noire qui permet d'augmenter les attaques sautées, bah vous optimisez tout simplement vos dégâts. Cet objet rituel pénètre inexorablement les chairs de son porteur, préservant son humanité, tout en lui donnant l'allure d'un rapace funeste. Et ça se voit au niveau du casque, puisqu'en fait, regardez, mon visage disparaît au profit, eh bien, d'une tête de squelette! Vraiment très sympa cette armure. Et comme je fais pas mal d'attaques sautées, et contre certains boss, eh bien, je vais en faire aussi. Je vais évidemment l'utiliser. Allez, la nécromancienne. Malheureusement pour elle, eh bien, ma lance de foot fait trop mal. Donc c'est pas un ennemi très compliqué à tuer. Mine de rien, attention, parce qu'elle a un squelette comme ça qui va se balader. Elle envoie, eh bien, une nouvelle fois, ces squelettes ténébreux qui peuvent faire des dégâts. Parce que elle en avait évidemment, elle est facile à tuer, mais d'ailleurs je dis elle, hein, mais c'est un homme, hein. C'est le nécromancien. Et hop, et le squelette va disparaître. Et on récupère la tête du clan. Ce squelette me fait penser évidemment aux roux squelettes qu'on croise dans les catacombes dans Dark Souls 1 et Dark Souls 3. Je crois d'ailleurs que ces roux-là existent dans Dark Souls 2. Hein. Tête du clan. Dégâts physiques, magiques, pas d'effet passif. Les têtes sont censées représenter sa femme et ses deux enfants. Trois têtes contendantes en cuivre reliées à un manche par des chaînes. Arme emblématique du nécromancien Garris, le sage hérétique. Très spéciale cette arme en tout cas. J'aimerais bien utiliser dans mon guide des armes comme ça. Pourquoi pas augmenter cette tête du clan? Rancœur familiale. Visiblement, le nécromancien a eu des problèmes avec sa famille. Quelques rancœurs. Et il a utilisé eh bien, sa famille pour fabriquer une arme. Étrange. Allez, dans tous les cas, eh bien, ce n'est pas terminé. Puisque, évidemment, s'il y a beaucoup de coffres dans cette région, il y a aussi deux boss. Et comme je vous disais, on va rencontrer eh bien, un ennemi qui peut être relativement frustrant. Surtout si vous n'êtes pas bien préparé, puisqu'il va faire... Il ne fait pas spécialement des dégâts. Mais sa particularité, c'est qu'il est invisible. Il est souvent invisible. Et l'avantage d'avoir un esprit, ou même plusieurs esprits, c'est même mieux en fait, eh bien l'avantage d'avoir plein d'esprits, c'est que il va sortir eh bien, de son invisibilité pour essayer de vous faire des backstabs et pour essayer de vous taper. Donc s'il y a plein d'esprits, à ce moment-là, il sort souvent eh bien, de son invisibilité et vous allez pouvoir le tuer comme ça. Sauf que moi, si je dis pas de bêtises, j'ai un esprit, il est tout seul, quoi. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. L'assassin des couteaux noirs. La marque sombre, tout ça. Vous vous rappelez des couteaux noirs? On en avait déjà tué un, puisque on devait en tuer un pour récupérer un glyphe sur lui, pour la quête de Roger, pour la quête de Rani, etc. etc. Donc l'astuce, évidemment, vous l'avez compris, c'est de vous mettre eh bien, dans l'eau, puisque ça va vous permettre de voir ses pas et de le taper comme ça. Même si je vous l'accorde, c'est pas si évident que ça, surtout qu'il fait quand même relativement mal. Enfin, il fait pas, non, c'est pas qu'il fait relativement mal. Ce qui fait mal, c'est son backstab. Et il y a de grandes chances qu'il réussisse à m'en faire un. Puisque lorsque vous faites des roulades et vous essayez de vous éloigner pour vous soigner, c'est à ce moment-là qu'il fait ses pas vifs comme ça sur le côté pour vous faire un backstab. Alors, il est où? Il est tout au fond. Je pense que peut-être avec un arc, puisque vous voyez, c'est un ennemi que je ne peux pas cibler quand il est invisible. J'ai beau appuyer sur la touche, ça ne marche pas. Et peut-être qu'avec un arc, si vous lui envoyez une flèche sur lui, eh bien, la flèche va rester sur son corps
Ah bah voilà, le backstab. Ah, je pensais qu'il allait faire plus mal que ça. Ok, ça va. C'est plutôt intelligent, comme ça au moins c'est pas trop frustrant. Voilà, même avec un kukuri ou quelque chose comme ça, vous l'envoyez, vous voyez la flèche, et vous le suivez, vous le tapez tranquillement. Et évitez de tourner le dos. Mais bon, il est tellement rapide. Le petit coquin. Bon, c'est pas une mécanique de jeu que j'apprécie, hein, moi, l'invisibilité. Même si ici, il y a des astuces, c'est pas ce que je préfère. Allez, mon esprit! 90 de dégâts. Bon, il fait pas très mal, mais il tanque quand même extrêmement bien. Oh, il l'a touché! Bien joué! Trop fort. Bon, c'est pas un combat vraiment extraordinaire. En revanche, vous récupérez, eh bien, voile occultant. C'est un talisman qui peut être très utile, puisque quand vous êtes à distance d'un ennemi, à une certaine distance en tout cas, et que vous vous mettez accroupi, le talisman vous permet d'être invisible. Dissimule le porteur aux yeux des ennemis. Voilà, éloigné. Donc vous le portez, et bah des ennemis, alors je sais pas trop la distance à laquelle ils peuvent ou pas vous voir, mais dans tous les cas, ça peut être très utile hein, si on veut passer en infiltration. Morceau d'un des voiles d'invisibilité qu'employèrent les assassins lors de la nuit des couteaux noirs. Et ce pauvre Godwin en a fait les frais, notamment de ce talisman. On sait évidemment que ces ennemis-là sont liés à Rani, puisque c'est Rani qui a détruit l'Ordre d'Or, et c'est elle qui a voulu, eh bien, tuer, notamment, eh bien, Godwin et tous ses demi-dieux. En tout cas, évidemment, on va en savoir plus concernant l'histoire à la fin, lorsqu'on débloquera, eh bien, la fin de Rani, que je vais évidemment vous montrer. Allez, une fois qu'on a fait ça, sachez qu'ici, il y a, je vous le disais, un envahisseur. Cet envahisseur, on va le laisser de côté, puisqu'elle est liée au manoir du volcan et notamment à une quête qu'on va faire un peu plus tard. Donc je mets ça de côté, je reviendrai plus tard. Nous, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va revenir dans cette région et on va faire les différentes missions qu'il y a ici. Allez, le manger le mire, on est parti. Il faut savoir que j'avais prévu de poster cette vidéo. Dans ma tête, je pense que j'étais en mode samedi, dimanche, je pourrais sortir des vidéos sur le plateau Altus, mais évidemment, ce week-end, eh bien, il y a eu l'événement caritatif de mon ami H, et j'étais gentiment invité, j'ai participé à ma façon, et bah, forcément, j'ai pas pu sortir la vidéo, donc j'imagine qu'elle sortira lundi matin, peut-être, si tout va bien. Et cette semaine, je vais essayer, eh bien, de bien avancer le plateau Altus, mais c'est vrai que lorsque je fais, eh bien, de l'exploration comme ça, et que je vous montre tous les coins où il faut aller pour récupérer des items, toutes les catacombes et tout, eh bien, c'est là où ça me prend le plus de temps, puisque dès que c'est linéaire, eh bien, c'est beaucoup plus facile, j'ai juste allé tout droit, alors que là, évidemment, je dois faire une route, et puis, il faut que je loupe quasiment rien, donc c'est vrai que ça me prend un peu de temps, c'est pour ça que cette vidéo sort lundi. Alors désolé, je sais qu'il y a pas mal de gens qui attendent les vidéos, ils sont en mode, purée, c'est trop long, oui, je m'en doute, hein, si vous jouez en même temps que moi. Oui, je sais, je me doute que c'est vraiment très long d'une vidéo à l'autre, mais vraiment, sachez que j'essaie de faire mon maximum, et que, bah, je vous le répète, une nouvelle fois, moi je fais ça sur mon temps libre, donc ça veut dire, bah, la nuit, la nuit, hein, parce que la journée, je travaille. Après, évidemment, ça m'arrive des fois de faire le soir ou tôt le matin, la plupart du temps, je fais ça à 2h du mat, donc compliqué de faire des vidéos tous les jours, puisque une vidéo, ça me prend entre 5 et 10 heures à faire, à peu près. Donc bon, je me plains pas, évidemment, pour moi c'est que du plaisir, j'adore faire ça. Mais évidemment, je prends plus de plaisir à aussi le faire tous les 2-3 jours que si je m'obligeais à les faire, à faire des vidéos tous les jours. Je pense que je prendrais plus de plaisir, ça deviendrait automatisé, ça serait robotique. Robotisé, en tout cas, et bien, ça serait moins naturel et je pourrais moins partager mes envies. Et quand on a moins envie de quelque chose, je pense qu'on y partage moins sa passion. Donc autant prendre le temps, le faire avec passion et tout va bien. Améliore grandement les résistances aux dégâts non physiques. Donc ça, c'est pas mal, hein, ça augmente évidemment la magie, la feu, la foudre, le sacré. Donc autant l'utiliser, je pense que c'est un très bon talisman. En plus, il est en plus 1. Donc c'est cool. Voilà. Allez, une fois qu'on a traversé cette catacombe,
pouvoir poursuivre. Et on va simplement grimper. Et je trouve que c'est une zone qui est très belle de jour et au crépuscule. Je trouve que le plateau Altus est un petit peu moins joli quand il est de nuit. Je trouve que les couleurs sont du coup plus... elles disparaissent tout simplement. Et ça marche un peu moins. C'est vrai que je préfère, même dans Elden Ring, je trouve que c'est mieux de d'explorer de jour. C'est pour ça que j'essaie de faire l'effort de passer à chaque fois en journée. Allez, une fois que c'est fait, eh bien on va aller aux catacombes. Il n'y a rien de faire, à faire en particulier ici. Il y a juste évidemment une porte. Et j'aime bien cette idée vraiment que là nous sommes vraiment à la frontière une nouvelle fois entre le Mont Gelmir, puisqu'on rentre quasiment dans la montagne du Mont Gelmir avec ces catacombes. La frontière entre Altus et Gelmir. J'aime beaucoup ce passage. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on ira complètement à l'opposé. Hein, parce que là, comme je vous ai... enfin, comme vous pouvez le voir, on a fait le sud. On a fait quand même pas mal l'ouest. Mais dans la prochaine vidéo, on va carrément aller à l'est et au nord-est. Et on va faire le tour, tout ça, en montant le... en faisant quasiment tout le tour. Et ensuite, on fera le centre dans une autre vidéo. Donc, pas mal de vidéos sur Altus. Hein. J'ai hâte, évidemment, de vous montrer tout ça. Allez, des catacombes, qui dit des catacombes dit des gobelins, dit des pièges. Hop, il y en a un qui est juste là. Gros éclair de foudre, comme ça. Et on est parti. Alors, il faut savoir que la fin de cette catacombe, eh bien la porte se situe quasiment devant moi. C'est assez court. Par contre, pour activer le levier, on va devoir descendre une nouvelle fois. Et nous, on va tout montrer. Il n'y a pas grand chose, rien d'intéressant évidemment dans cette catacombe. Il me semble qu'il y a un esprit et évidemment le boss à tuer derrière. Et on retrouve nos copains. Bouclier en avant, je pense que c'est la meilleure solution. C'est pour ça que j'ai équipé le talisman, ça me permet bien de résister et bien encore mieux et bien à la foudre. Et l'idée, voilà, bouclier en avant. Vous les étourdissez ou alors vous faites cette contre-attaque quand vous bloquez une attaque avec votre bouclier. Et les ennemis sont toujours évidemment cachés à droite à gauche. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut utiliser la lance de foudre. Si vous l'avez utilisé aussi, ça marche plutôt bien. Ah, ça le tue pas. Je pensais que j'allais le tuer. Il manquait vraiment pas grand chose. Ah, boum. Ah, ma contre-attaque n'a pas marché. J'ai appuyé sur R1 au lieu d'R2, mais c'est pas très grave. Je l'ai tué de toute façon en deux coups. Les petits gugus. Le piège classique, hein. À la Dark Souls 1. Donc je vais pas m'amuser à les tuer, on sait qu'ils sont sensibles au feu notamment. On peut pourquoi pas utiliser les pièges pour essayer d'en tuer un ou deux. Et vous avez vu ces ennemis là, ils ont tellement peu d'équilibre que quand on leur fait une roulade dessus, eh bien ça les étourdit. C'est pour dire à quel point ils n'ont aucune poise, comme disent les anglais. Puisque le terme équilibre en anglais c'est poise. Enfin, nous, on utilise équilibre en français. Voilà, on retrouve un chevalier du creuset, mais version facile. Et on verra de qui il s'agit, ces petits chevaliers. Avec leurs grands boucliers. Je les aime bien, je les trouve vraiment jolis. Puisqu'on avait trouvé un talisman, justement, un talisman bouclier, qui parlait comme ça de ces chevaliers de Lendel. Qui sont d'abord là pour protéger avant d'attaquer. Eux, visiblement, la meilleure attaque, c'est la défense. Et ils se cachent comme ça derrière leur bouclier pour protéger leur cité. Allez, encore une clé. Il doit m'en rester, je sais pas, faudrait que je regarde, mais je crois qu'il doit m'en rester 5 ou 6. Le talisman du scorpion de foudre, naturellement, c'est plutôt logique, évidemment. D'en trouver un augmente l'attaque de foudre, mais réduit la résistance aux dégâts. Donc c'est vrai que vu que j'utilise pas mal les lances de foudre, je pourrais l'utiliser, mais j'ai pas trop envie de subir des dégâts supplémentaires. Allez, encore un ascenseur. Hop. Le levier est ici, et comme ça on va pouvoir tout simplement revenir au début. Oh, le petit malin. Ça c'est vraiment le piège classique. Mais avec ma faux, je fais tellement de dégâts que tout va bien. C'est vrai que je pourrais les parier, enfin faire des parades.
Mais l'avantage, eh bien... Ah oui, je vous ai pas parlé. L'avantage de la faux ailée, c'est lorsque j'utilise, eh bien, aile angélique, l'attaque passe au travers le bouclier, regardez. Enfin, c'est pas qu'elle passe au travers le bouclier, c'est que vu qu'elle attaque en deux fois, eh bien, on a le temps de le taper une première fois, et généralement, l'ennemi va enlever sa garde. Et à ce moment-là, nous, on va pouvoir le toucher. Mais il me semblait que ça passait à travers les petits boucliers. Peut-être pas des grands boucliers, donc ça, ça a vérifié. Mais il me semble qu'il y a une histoire comme quoi ça passe à travers. En tout cas, une des deux attaques, peut-être. Je pourrais pas trop dire. Parce que... tout à l'heure, sur l'ennemi faible, eh bien, ça avait marché. Que sur lui, ça avait pas marché. Donc, voilà. J'ai pas envie de dire de bêtises. Il est pas mort, le coquin. Hop. Est-ce qu'il va mourir? Ah non, il est pas mort écrasé, puisqu'en fait, je suis parti. Dommage. Là, je vais juste descendre en contrebas, et puis ça va me ramener... dans la zone avec l'eau. C'est juste que ici je vais pouvoir débloquer entre guillemets le raccourci. J'ai pas trop le choix, de toute façon ça va juste me permettre de passer la porte. Non, aucun est mort malheureusement. Alors je vais pas m'amuser à tuer les crabes, je vais juste récupérer ça. Le manuel d'apôtre de dragon ancien. Et ça c'est la bonne nouvelle, puisque ça va nous permettre de fabriquer eh bien, des composants encore. De la graisse et tout ça. Je vais juste me débarrasser. N'hésitez pas à vous entretuer, ça me va. Ouvre-toi. Parfait. Voilà, et c'est parti. On va pouvoir... Bah là, le donjon est terminé de toute façon. Lui, il est toujours buggé. Je pense que dans vos parties aussi, il est buggé. Parce qu'en fait, il tombe du sol, mais je pense que... Bah, il touche pas l'eau. Je pense peut-être qu'il y a une... un pixel qui vient... un pixel qui est en l'air et du coup le blob comme ça vient s'écraser au milieu. Je sais pas trop. C'est curieux. Et je trouve d'ailleurs que le jeu vraiment ne subit pas de bugs. Hein. Parce que très honnêtement, j'ai fait quand même, comme je vous le disais, énormément de mondes ouverts dans ma vie. Avec les Risen, les Gothic, les Elder Scrolls ou même un The Witcher et tout ça. Et des bugs, il en pleut tout le temps. Et là, dans Elden Ring, bah, chapeau bas, quoi. Vraiment, gros boulot sur l'équilibrage. En tout cas, pas l'équilibrage, mais en tout cas sur eh bien, le fait que le jeu soit relativement propre. Ça fait plaisir. Donc il y a des bugs, évidemment, mais c'est quand même limité vu le contenu que le jeu possède. Allez, je vous présente pas le boss qui se trouve devant moi. Je pense que vous imaginez de qui il s'agit. La bonne nouvelle... et ça c'est plutôt cool, c'est que c'est du 1v1, donc je vais pas invoquer mon esprit, je vais juste le tuer à distance, puisque la lance de foudre glacée, bah c'est pas mal, et puis il me semble vraiment que la lance de foudre classique fait vraiment de gros dégâts, voilà, vous voyez, ça marche quand même plutôt bien. Alors lui aussi malheureusement, il a une attaque de foudre, mais bon, bah, je pense que là je suis un peu long pour toucher. Ah non, il s'est rapproché, parfait, ça me va. Et d'ailleurs... ce qui fait dire qu'il va faire de la foudre, c'est quand on voit eh bien, sa queue eh bien, à son extrémité. Vous avez vu, il y a une petite boule de foudre comme ça, chargée en électricité. Ça, c'est plutôt marrant. Aïe, j'ai mal roulé. Et je ne crois pas, j'ai pas le souvenir que les autres comme ça, veilleurs de l'arbre monde, en avaient. Il me semble pas. Allez, étoile d'Elden, regardez les dégâts. Oui, c'est un sort qui coûte énormément en fois, mais je vais pas vous mentir, c'est pas, c'est vraiment pas terrible. Alors, je comprends vraiment pas pourquoi c'est aussi faible ce miracle-là. Alors, peut-être parce que je l'utilise mal, peut-être que j'ai pas compris quelque chose, mais en tout cas, bon, c'est vraiment pas dingue, je trouve. Ça, en fait, le temps d'incantation est très long, les dégâts sont plutôt faibles, mais peut-être qu'ils stunnent les ennemis. Qui ont peu d'armure peut-être, qui ont peu d'équilibre, je sais pas trop. En tous les cas, je suis pas convaincu que ça soit très utile. Allez, on récupère une perle qui permet une nouvelle fois d'acheter des muguets. Alors si j'ai pas de bêtises, ça permet d'en acheter, je crois, au moins jusqu'au 5. Peut-être 6, faudrait voir. Eh bien, il est temps de quitter les abords du Mont Gelmir pour aller, hop, en direction... du sud une nouvelle fois, mais cette fois-ci ça va être le sud-est. Il reste pas grand chose à faire, donc là en fait vous avez une géole avec un monstre à tuer pour récupérer un talisman assez sympathique. On va venir ici parce qu'il y a un camp avec des ennemis où il y a une clé à récupérer. Là il y a un site de crasse
avec Bok, et surtout entre les deux, quand il fera nuit, eh bien on va rencontrer une nouvelle fois un chevalier crépusculaire, et je pense que je vais essayer de le tuer avec ma lance de foudre. Je pense que ça peut être sympa d'essayer au moins de l'attaquer à distance, puisqu'à chaque fois que je l'ai attaqué au corps à corps. Voilà. Je vous montre rapidement que pour accéder à la géole, eh bien on va devoir passer par les souterrains, enfin les souterrains, en tout cas passer par un tunnel naturel, on va dire ça comme ça. Et l'ennemi que nous allons rencontrer, eh bien, c'est un ennemi que j'aime beaucoup, qu'on a déjà vu dans le jeu, qui était un boss précédemment, mais on va le voir uniquement dans sa phase 1, et assez cool en fait de se rendre compte, tout simplement, vous, je pense que vous allez le voir quand vous allez le faire, eh bien, vous allez voir le boss, vous allez tout de suite reconnaître son pattern, et du coup, vous allez le détruire. Et surtout qu'on va lui faire vraiment extrêmement mal, surtout si vous avez maintenant une arme unique, eh bien, en plus 9, ou une arme normale, qui est sans doute en... Moi je sais que j'ai pu en augmenter une en plus 17 et j'ai pas cherché à l'augmenter en plus 20. Donc je pense qu'il est possible d'avoir une arme en plus 20 dès maintenant. Donc vraiment je vous conseille, augmentez vos armes. N'hésitez pas, vous avez sans doute plein de matériaux sur vous. Faites-le, c'est vraiment cool. Et j'aime beaucoup ce plan puisque quand on regarde une nouvelle fois, regardez, une tour divine, j'en vois 3 dans mon horizon. Et quand je tourne la tête, il y en a une qui est juste à gauche. Et une nouvelle fois, on voit bien que les tours divines forment un cercle. Et je trouve le plan très très joli. Bon, malheureusement, il fait nuit, donc on voit pas grand-chose, mais... c'est pas très gênant. Allez. Géole éternelle de la ligne dorée. Vous allez comprendre pourquoi il parle de dorée. Clé lame de pierre. J'en ai combien ? Je pense que j'en ai encore 5 ou 6. On va regarder. Ouais, j'en ai encore 6. Ok. Ça va, ça va. C'est parti pour ce combat, j'aime trop. Je sais qu'il y en a qui peuvent dire « Ouais, bon, pff, on l'a déjà vu, c'est juste un copier-coller et tout ça. » Je comprends, mais ça n'empêche que le combat est tellement bien. Godefroy, le Geffré, le greffé, notre ami Godefroy. Alors évidemment, il s'agit de Godric, hein, en phase 1, puisqu'il ne va pas faire sa phase 2. Et moi, ça me fait plaisir en tout cas de le revoir. Avec ses roulades, ses sauts, ses balayages. Et je crois... je ne me sens pas qu'il charge son arme. Si. S'il le fait quand même. D'accord, ok. Je me rappelle plus s'il le faisait ou pas, mais il le fait. Et les dégâts sont relativement bons. Hein. Je lui fais relativement mal. Donc ça, c'est 1, 2. On aurait pu sauter et le taper. Puisque vraiment, une fois qu'il a fait ça, c'est assez facile de le frapper. Et vous voyez le temps qu'on a en fait pour le toucher entre deux attaques. C'est vrai qu'il y a une technique qui marche bien, c'est de reculer et de laisser faire en fait ses roulades et ce saut, glisser sous lui et le taper. Je vous rappelle évidemment qu'il est extrêmement sensible à quoi, bah, enseignement. Attention à cette attaque, j'ai pas réussi à rouler. Bon, voilà les saignements, vous avez vu comme ça fait mal. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette arme, puisqu'elle est capable de faire du saignement, elle a de la portée, elle est rapide. Je trouve sa compétence d'action est vraiment beaucoup trop belle, et en plus c'est considéré comme une arme qui est capable de faire des gros dégâts, et bien d'équilibre. Donc je trouve que c'est une arme vraiment passe-partout, qui fait bon, très très bien le café. Je vous invite à l'utiliser si vous l'avez. Allez, on va simplement... attendre un peu, il résiste quand même pas mal à la foudre. Hein. Lance de foudre 359, c'est pas beaucoup. Pourtant j'ai bien augmenté mon talisman. Le problème c'est que ça s'appelait comme ça dans Dark Souls, ça s'appelait des talismans, les sauts. Sauf que voilà, dans Elden Ring on parle de sauts, pas de talisman. Et voilà, il est mort. Trop classe. Voilà, moi ça m'a vraiment pas gêné de le retrouver parce que le combat est vraiment bien. En plus c'est très joli. Icône de Godefroy, ça nous permet de récupérer un talisman légendaire. Pour ceux qui cherchent à obtenir tous les trophées, c'est une bonne nouvelle. Je vous montre évidemment de quoi il s'agit. Améliore les sorts et les compétences chargées. Godefroy a été un farouche combattant. Lorsqu'il obtient le titre de seigneur, il prit la bête régente Séroche sur son dos pour canaliser ses pulsions guerrières. Ah, il rigole zéro, Godefroy. Et évidemment, on le voit, hein, cette espèce
de lion qui est sur son épaule comme ça, qui rugit et qui montre toute la force, l'agressivité, la violence que peut avoir Godfrey. Et j'espère que c'est pas trop difficile parce que je trouve que c'est à la fois une bonne idée d'un point de vue histoire, mais en termes de cohérence du monde et d'apprentissage, c'est un peu compliqué parce qu'on a des Godric, Godwin, Godfrey. C'est un peu compliqué, c'est un peu comme les Malenia, Melina, Millicent, vous voyez. Et du coup, on a du mal un petit peu à les différencier avec leur nom, à mettre vraiment un nom sur un visage, surtout que des visages, ils sont souvent cachés, ou alors on les voit pas, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué. Je sais que moi au début j'ai eu pas mal de mal et je vous rassure, j'ai encore du mal. Heureusement, je trouve qu'ils ont fait Margit et Godric. Alors ça se ressemble un peu, mais au moins il y en a un qui commence par Mar et l'autre par Go, donc ça va. Allez, on arrive devant, eh bien, le spectre. Une nouvelle fois. Et je vais essayer de m'en débarrasser avec ma lance de foudre. Je pense que je dois lui faire relativement mal. Ouais, 433. Le seul souci, je crois que c'est que c'est un peu compliqué de le toucher. Voilà, si c'est un peu long, je vous avoue, je vais pas... Je vais mettre peut-être en x2, je sais pas. Parce que je vais essayer de le tuer comme ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Je vais enlever quasiment 2/3 de sa vie uniquement avec la lance de foudre. C'est la première fois que j'essaye vraiment de le toucher avec des attaques à distance et je me rends compte que... Ouais, c'est pas si facile que ça à toucher. Oh, purée. Oh, celle-là, elle est partie. Désolé, c'est passé devant votre fenêtre, là, je pense. Si vous voyez une étoile filante, ne cherchez pas, c'est ma lance de foudre. Ouais, et du coup, des fois, ça m'arrive de toucher le... Ah, le cheval qui est quand même un peu moins sensible, j'ai l'impression, à la lance de foudre. Intéressant. Je vais réinvoquer Torrent. Ah non, je touche le cheval. Moi, j'ai vraiment envie de toucher, du coup. Ok, c'est vrai que j'avais le ciblage sur le cheval aussi, donc ça aide pas. Et peut-être que là, le miracle d'Elden est peut-être utile... Oh, oh, ça fait tellement mal. 487, la boule de feu noir chargée. Ok, dommage, à côté. Allez, le cavalier, on t'a assez vu maintenant. Il est temps que tu disparaisses. Puisqu'on arrive, je crois qu'on a dépassé l'heure de vidéo. Et comme vous le savez, j'aime pas trop dépasser l'heure de vidéo. J'aime bien faire au maximum 59 minutes. Donc là, on va le dépasser de 5-6 minutes. J'espère que vous me pardonnerez. Parce que l'idée, c'est que ça se regarde un petit peu comme une série télé. Et donc, naturellement, si tous les épisodes pouvaient faire entre 50 et 55 minutes, je serais très très heureux. Ah, je l'ai touché. Mais bon, 300 de dégâts, la boule noire était beaucoup plus efficace. Allez, mon coco! Oui! Oh, je vais me toucher à l'épaule gauche, là. Enfin, droite. Pour lui et on récupère la cendre de guerre, ordre partagé, encore un miracle justement qui permet, il me semble, et eh bien de alors attendez, de soigner ses copains peut-être. Compétence de chevalier fondamentaliste de l'ordre d'or, vous consacrez votre arme et celle de vos alliés proches pour les imprégner d'un pouvoir sacré très efficace. Oh, mais c'est trop bien si vous jouez en coopération. Ah, ça c'est génial. Imaginez que vous avez un personnage qui a une arme normale. On peut lui imprégner eh bien, en dégâts sacrés. Eh bien, vous utilisez ce miracle. Ça me donne trop envie de faire une coopération. En New Game Plus, pourquoi pas. Où je suis simplement le healer et le buffer. Ça doit être trop bien. Ça doit être vraiment trop trop bien joué. Allez. Il nous reste deux choses à faire. La première, tout simplement, c'est qu'on va venir ici. On va se mettre accroupi. Et on regarde ce qui se passe au sol. Je sais pas si vous le voyez encore. Ça y est, je le vois. Il y a de la fumée qui sort du sol. Et hop là! Parfait. Tremblement de terre. Une belle cendre de guerre. Et bien voilà pour cette vidéo. Ah, et voici notre ami Bok qu'on retrouve à nouveau. Je suis content d'avoir fait cette vidéo. J'espère que vous, en tout cas, ça vous a plu aussi. On va juste lui parler. Et à ce moment-là, il va simplement nous demander, eh bien... Est-ce que je peux vous appeler, voilà une faveur, est-ce que je peux vous appeler maîtresse ?
Ah non, madame, maintenant. I heard that you and the other tarnished seek the throne of the Elden Lord. Well, voilà, il a confiance en nous, ça fait plaisir, un petit peu de positif dans ce monde. And you'd make just the manner of kind-hearted lord that I'd wish for. So please, if you would, allow me to call you lord. En fait, c'est la traduction française, mais en fait, je crois qu'il maintenant il nous appelle seigneur. En tout cas, en anglais, il dit lord, en français, il dit madame. À savoir si je suis un personnage masculin, qu'est-ce qu'il dit? Messire peut-être, je sais pas. En tout cas, l'avantage c'est qu'on récupère une nouvelle émote et je sais qu'il y a un trophée platine où on doit récupérer toutes les émotes. Donc, enfin il y a un trophée platine, il y a un trophée, pardon, qui demande de récupérer, eh bien, toutes les émotes. Allez, je vous abandonne ici, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, rendez-vous dans la prochaine. Direction le plateau Altus, le nord. Eh oui, et ça, ça promet d'être encore assez incroyable. On va rencontrer beaucoup, beaucoup de boss. Donc préparez-vous. Allez, pour la suite. Je vous fais des bisous et puis que la grâce guide vos pas. Salut à tous. Ciao.